Puisqu'on vient de parler de la langue wallonne, on peut aussi parler de mon implication dans les études sur les questions identitaires wallonnes. Parce qu'au fond, je ne sais pas par quoi je pourrais commencer, mais je pourrais commencer par les évolutions politiques. Parce qu'en fait, la Belgique est une construction récente, elle date de 1830, la Belgique telle qu'on la connaît. Bien sûr, elle existait avant en germe, bien sûr, mais je ne vais pas parler de cette histoire-là maintenant. Mais la Belgique, en tant qu'entité politique, existe depuis 1830 et elle vit toujours, si je puis dire, sur sa première constitution qui a été parfois remodelée, réaménagée légèrement jadis, mais très profondément au cours des 50 dernières années. Et on est passé d'un État unitaire à un État fédéral. Et certains voudraient continuer l'opération pour faire un État confédéral, ce qui veut dire faire plusieurs États unis simplement entre eux par certains liens, comme l'armée, comme des choses, voir ce qu'on peut mettre en commun pour continuer dans un État. Et cela a entraîné pendant 50 ans une situation hybride où on est passé d'un État unitaire centralisé à un État qui se décentralise de plus en plus et qui même a parfois tendance à s'émietter avec des lasagnes, si je puis dire, des niveaux différents de compétences qui parfois se chevauchent et qui rendent la Belgique totalement incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas de Belgique. Quand un Français me dit « je commence à comprendre la Belgique », je me dis en moi-même: mon ami, tu as le droit de comprendre ce que c'est, parce que les Wallons et les Flamands ne comprennent pas toujours de quoi il s'agit. Bon. Toujours est-il que moi-même, j'étais Wallon par ma naissance, et lorsque, dans les années 60, lorsque j'étais étudiant, la question s'est posée concrètement de l'université de Louvain, qui était une université bilingue, où il y avait une section wallonne où on parlait francophone, on parlait français, une section flamande où on parlait forcément le néerlandais. C'est commencé à poser la question: est-ce que Louvain va rester unitaire? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir une section francophone en région flamande? Il y a eu des manifestations, des troubles, etc. Finalement, la partie francophone a dû émigrer ici, à Louvain-la-Neuve, où nous sommes maintenant. Et cela a posé des questions. La question s'était déjà posée avant, mais je dis pour moi, la question s'est posée de façon accrue à ce moment-là, parce que je me suis dit, si l'université de Louvain est expédiée en Wallonie, ça veut dire pour moi que la Belgique va aussi suivre le mouvement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse ça pour l'université et que la Belgique ne suive pas le mouvement, que la Belgique ne devienne pas un État qui va forcément, par la force des choses, se fédéraliser et devenir un État plus diversifié, où chacun serait maître de sa culture dans sa propre région. Et cela a suscité chez moi une réflexion. Je n'étais pas nationaliste belge, ni nationaliste wallon. Je ne le suis toujours pas, parce que chacun est de son coin, comme disait Brassens, qui est un de mes chanteurs favoris, parce que j'aimais bien chez lui son anarchisme gentil, un peu à ma façon d'être. Bon, alors, il disait: c'est vrai qu'ils sont charmants, tous ces petits villages, ils n'ont qu'un seul défaut, c'est d'être habités par des gens qui se croient, comme me disait ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Je ne me sentais pas un de ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part, mais je me disais que le problème se posait pour la Wallonie qui devrait tôt ou tard émerger
dans cet état qui allait devenir, qui allait se séparer, qui allait devenir, passer d'un état unitaire en un état qui se fédéralise. Or, dans les années 60, je percevais que la Wallonie allait être en déclin profond. Jusqu'alors, la Wallonie était la région où était produite, depuis le 19e siècle, où était produite la richesse. L'industrie était wallonne, l'industrie extractive, l'industrie métallurgique principalement, qui faisait la richesse de la Belgique. La Wallonie était prospère économiquement à cause de cette industrie lourde. Mais dans les années 50-60, tout cela entrait en décrépitude, alors que l'industrie, la prospérité flamande s'accroissait parce qu'elle n'était pas basée sur l'industrie lourde, mais qu'elle se diversifiait, que cette diversification allait à long terme lui être favorable, tandis que la Wallonie était basée sur l'industrie lourde, basée sur les capitaux, et que le monde capitaliste n'investirait plus en Wallonie, parce que le monde capitaliste n'a pas d'intérêt à faire vivre la Wallonie, il a un intérêt à faire fructifier son capital, et qu'il allait se recaser ailleurs, et que tôt ou tard, dans les années 60, le monde capitaliste allait lâcher la Wallonie, qui allait être livrée à un monde qui ne le comprendrait plus, parce que la Wallonie allait devenir, allait péricliter, les mines allaient fermer, étaient commencées à fermer les mines, donc l'industrie charbonnière, et que l'industrie métallurgique avait ses jours comptés, et qu'il faudrait donc refaire autrement, reconvertir industriellement la Wallonie. Or, une reconversion ne s'opère pas en un claquement de doigts, une reconversion s'opère sur le long terme. Et il y a en Wallonie actuellement des gens qui n'ont jamais connu que le chômage dans leur région. Il y a des friches industrielles impressionnantes, des industries métallurgiques qui ferment. Quand on, parfois dans certaines régions du Hainaut, on voit que c'est terrible. C'est terrible pour les populations qui vivent là-dedans, de voir comment tout ça s'est déglingué en quelques décennies. Et on ne reconvertit pas ça comme ça. Ce n'est pas une région de fainéants, c'est une région de gens désorientés qui n'arrivent plus à se situer dans le monde. Alors que la Wallonie, au XIXe siècle, a fait la richesse de la Belgique. Et je percevais que tôt ou tard, dans cette Belgique qui se scinde en deux ou en trois, parce qu'il y a Bruxelles qui a un problème différent, la Wallonie allait être le parent pauvre et qu'il faudrait travailler à sa reconversion. Et le moyen pour moi, qui était un travailleur, qui me jugeait comme un travailleur intellectuel, ce n'était pas, c'était de travailler dans mon domaine, à ce que la Wallonie sache qu'il y avait des possibilités pour elle d'en sortir, de redevenir prospère, mais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et notamment, l'idée que la Wallonie avait un passé riche, et qu'elle avait été prospère, et qu'on ne pouvait pas vivre dans une amnésie culturelle comme les Wallons vivaient. Pourquoi ? Parce que si la Belgique avait été prospère au XIXe siècle, par contre, l'histoire de la Belgique telle qu'elle était enseignée, c'était la Belgique unitaire. Or, le passé flamand, qui était un passé prestigieux, le passé de Bruges, des grandes villes de Gand et d'Anvers, etc., était mis en valeur dans l'histoire qu'on enseignait aux enfants, mais que l'histoire de la Wallonie, dont la richesse était plus récente, n'était pas mise en valeur dans l'enseignement que l'on donnait aux enfants. L'enseignement de la Belgique unitaire était centré sur le jour glorieux de la Flandre. Je dis ça sans acrimonie, mais c'était comme ça. On apprenait l'histoire des communes flamandes qui avaient résisté à la France, on apprenait l'histoire des grands événements de la ville de Gand et d'Anvers, qui est encore prospère. On insistait sur les grands peintres flamands de la Renaissance flamande, les grands peintres des primitifs flamands, sur la musique. Et je me rendais compte que la Wallonie était oubliée dans l'enseignement d'histoire, au point que les Wallons croyaient que
tout ce qui était beau et grand se faisait ailleurs et jamais chez eux. J'avais chez moi un double disque que j'aurais dû prendre, les grands vinyles de grands vinyles de 33 tours, un grand album qui s'intitulait La Vlaamse musique, la musique flamande de la Renaissance. Mais j'avais fait le compte des morceaux de musique de la Renaissance, de cette musique réputée flamande, et je m'étais aperçu que c'était des gens du Hainaut, en grande partie, du Hainaut, le Hainaut c'est quand même en Wallonie, hein. Des gens de Liège, c'est quand même en Wallonie, pour les trois quarts des morceaux, et des compositeurs, Pierre Delarue, Roland de Lassus, Jean Cigogne, c'était des compositeurs du Hainaut ou de Liège. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était de la musique flamande de la Renaissance? Parce que le mot flamand avait fini par désigner ce qui était culturellement riche dans nos régions. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'époque de la Renaissance italienne, et plus tard, les peintres wallons, les peintres belges étaient tous appelés flamands. C'était Ifiaminghi à Roma, les flamands à Rome. Et tout ce qui était produit en Belgique, c'était les flamands. Je me suis dit, mais sacré nom du pif, on est en train de nous d'évacuer. Alors, ce n'est pas que je trouve qu'on a produit plus, ni plus beau, ni qu'on est plus malin, ni plus fort qu'ailleurs, mais on a l'impression d'être nul. Je me dis, mais on n'est quand même pas nul, on a fait des choses. Alors, on s'était dit, bon, avec d'autres, on va contribuer à supprimer, à combattre cette amnésie qui fait qu'on n'a pas conscience d'exister. Non par nationalisme, mais pour dire, ben, on n'est quand même pas si nul que vous pensez qu'on l'est. Tu comprends? C'est simplement, bon, alors, voilà. Donc, et lorsque, je l'ai écrit un petit peu sur la question, ce qui fait que lorsque un certain Jean Heublet, dont j'ai parlé tout à l'heure, a lancé l'idée de faire une fondation avec des biens qu'il avait, notamment de son épouse, de faire une fondation ici à Louvain-la-Neuve. Il a créé un conseil d'administration de la fondation et j'ai présidé la fondation où nous sommes maintenant pendant une trentaine d'années, un peu plus. Et ensemble, on a essayé de faire de lancer des études sur des questions de patrimoine wallon pour montrer que ben, nous avions aussi un quelconque intérêt. Et avec un ancien ministre-président de la région Hollande qui s'appelle Jean-Claude Van Kouwenberg, j'avais notamment écrit dans mon bouquin « Oser être wallon ». Oser parce que ce n'était pas très bien porté à l'époque, parce que les wallons étaient devenus, entre guillemets, étaient devenus belges dans leur tête. Puisque c'était la Belgique, ben, tout était bon. On ne voyait pas, par exemple, que tout ce qui était dit belge ben, servait en grande partie aux Flamands. Et c'est normal, les Flamands sont plus de 60% de la population belge, c'est normal. Sans compter qu'au XIXe siècle, ils ont été en quelque sorte brimés, non pas par les Hollandais, mais par l'État belge. Pourquoi? Parce qu'en 1830, la Belgique est devenue un État unitaire francophone. Suite à Napoléon, suite aux conquêtes, etc., de l'époque, et puis suite aussi au fait que la bourgeoisie flamande s'était francisée, la Belgique était un État unitaire francophone, parce que la bourgeoisie flamande était francisée depuis des siècles et elle ne parlait plus la langue du peuple, ce qui veut dire que la langue flamande était la langue d'un petit peuple qui n'avait plus la prestance qu'elle avait eu autrefois. La bourgeoisie flamande était francophone, ce qui veut dire que, comme le régime censitaire en vogue pour les élections en Belgique est un régime où il fallait payer un certain cens, un certain impôt pour avoir le droit de vote et être éligible, le petit peuple qui parlait flamand n'était pas éligible ni électeur, le petit peuple était dominé par une bourgeoisie flamande francophone. Donc les Flandres avaient conscience de devoir rattraper quelque chose, et je le comprenais très bien, mais ce faisant, en rattrapant ce mouvement et en étant majoritaire en Belgique, les Wallons avaient le sentiment de ne plus exister. Ou alors, en se disant belge, tout était sauvé. En se disant belge,
Tout ce qui concourait à la grandeur de la Belgique, eh bien, ça concourait aussi à ce qui n'était pas nécessairement vrai. Donc, on avait conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et alors, on a fait quelques bouquins, avec la fondation ici, sur l'identité wallonne, une identité ouverte, parce qu'on a bien conscience qu'il ne faut pas, je dirais, que c'est inutile de vouloir recréer un nationalisme wallon. C'est absolument stupide, à une époque où l'Europe se crée, c'est absolument idiot. Sans compter qu'on voit les méfaits du nationalisme, mais au moins savoir qu'on existe. On a fait un bouquin sur les lieux de mémoire en Wallonie, qui se trouvent là, et aussi sur des endroits, et aussi sur des choses qui ont fait un peu, dans un passé récent, un intérêt plus particulier pour la Wallonie, notamment la bande dessinée a trouvé un terreau particulier en Wallonie, avec l'école de Spirou, l'école de Charleroi, des gens comme Jigé, comme Franquin qui a créé le Marsupilami, Franquin qui a créé qui a développé longtemps Spirou, Franquin qui a été quand même quelqu'un qui a eu toute une école derrière lui, quoi. Hein. Alors Franquin est un des grands, Jigé aussi, et bien d'autres. Hein. Enfin bon, je ne vais pas ici faire le relevé de tous les grands, mais enfin on a fait un relevé de la création de la bande dessinée en Wallonie, qui a connu ses heures de gloire avec Spirou depuis 1938 jusqu'à un passé récent. Actuellement, évidemment, c'est un peu en déclin, mais Maurice, par exemple, enfin Lucky Luke, enfin c'est quand même pas des gens, le Marsupilami, c'est quand même pas rien. Gaston Lagaffe, ça a marqué les imaginaires, et plus qu'en Wallonie, mais enfin, c'est quand même intéressant de savoir que Gaston, ben, elle a été créée en Wallonie. Bon, c'est quand même quelque chose. Comme... Et que du point de vue de l'imaginaire, le Marsupilami aussi, comme... c'est pas la gloire. Hein. Enfin, c'est intéressant de le savoir, et de le dire, et ne pas croire que nous, on n'a jamais rien fait. Comme... Voilà. Donc notre fondation ici, où nous sommes maintenant, qui vit encore maintenant, avait comme fonction de donner des prix chaque année à des mémoires de licence ou équivalents, ou tous les 3 ans à des thèses de doctorat qui contribuaient à la mise en valeur d'un patrimoine wallon. Et plus de 30 ans, maintenant, tous les ans, nous donnons des prix à des jeunes qui ont fait des mémoires sur la question. Parce que le but du fondateur, Jean Heublet, était d'honorer un peu la mémoire de ses deux enfants. Il avait deux fils qui étaient décédés vers l'âge de 20 ans, à 10 ans d'intervalle. Et il voulait que cette fondation soit orientée vers la stimulation des jeunes à créer une Wallonie pour recolorer un peu d'optimisme le paysage wallon, et tout cela notamment en disant que nous n'étions pas nécessairement nuls, que nous avions fait des choses et que rien ne s'opposait à ce que nous recréions des choses. Alors, avec la Fondation, on a essayé de faire cela, et on s'est notamment intéressé aux rues de Louvain-la-Neuve, parce que Louvain-la-Neuve était une ville nouvelle. Elle devait s'ancrer aussi dans un passé, puisqu'il fallait donner des noms aux rues. Et alors, ces noms de rues s'inspirent souvent d'un passé wallon, d'un folklore wallon, d'un patrimoine wallon ou des grands inventeurs wallons. Et avec Luc Courtois, que nous avions, et d'autres, nous avions fait un inventaire des noms de rues de Louvain-la-Neuve. On a fait un gros volume sur le sens de tous ces noms de rues qu'il y avait ici. Donc, on avait aussi retravaillé, on avait eu à cet égard-là la facilité par deux projets Socrates. Les projets Socrates qui étaient des projets européens qui voulaient promouvoir la collaboration entre des universités différentes. Et avec Uppsala en Suède et avec Béziers en France, Béziers, enfin la région de Narbonne, on avait mis au point avec des personnes là-bas une étude des noms de rue pour voir dans quelle mesure les noms de rue traduisaient un imaginaire local. Parce que si chacun fait son lit comme il veut se coucher, comme on dit en général, ce qui veut dire que chacun aménage son espace dans un espace qui reflète un peu ce qu'il est.
Et nous avions pensé que le nom des rues que l'on donnait, eh bien, était révélateur de quelque chose. Et alors, avec Uppsala en Suède et avec Béziers, on avait essayé de faire l'inventaire des noms de rues de Béziers et d'Uppsala en Suède et de Louvain-la-Neuve pour voir un peu le type d'imaginaire qui se manifestait dans ces rues, dans ces noms de rues. Et alors, on a vu pour ça un projet Socrates, un projet européen, qui nous avait donné quelques fonds pour permettre de nous déplacer là-bas, d'aller voir sur place et d'aller voir un peu. Et d'aller voir aussi à Béziers comment ça se passait, etc. Et alors, entre parenthèses, je reviendrai après sur l'histoire des Wallons de Suède, parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, donc nous avions fait donc, ce volume-là. Bon. Alors, je vais faire ici une parenthèse intéressante, enfin, que je juge intéressante, sur les Wallons de Suède. Parce qu'il se fait que on parle parfois des aciers suédois, qui sont réputés, à juste titre, d'aciers assez fins, assez évolués. Bon. Mais il faut savoir que la métallurgie en Suède était lancée par des Wallons. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIe siècle, la Suède, qui est un grand État par l'étendue, mais un petit État par la population, voulait, avec le roi Gustave Adolphe, l'époque des guerres de 30 ans au XVIIe siècle, voulait jouer un rôle. Il jouait un rôle sur la scène européenne, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait les canons, il lui manquait la métallurgie pour créer une industrie, pour lui permettre de jouer un rôle. Et il se fait que Gustave Adolphe avait donc été entré en contact avec un homme d'affaires liégeois, Louis de Gers, qui. Pour mettre au point une métallurgie en Suède. Et Louis de Gers avait fait appel à des gens de Wallonie pour lancer la métallurgie en Suède. Pourquoi la Wallonie ? Parce que c'était la métallurgie ancienne, c'est-à-dire non pas la métallurgie qui fonctionnait avec le coke. Le coke, c'était un procédé de pyrolyse du charbon qui donnait une chaleur particulière pour faire fonctionner le haut fourneau. Bon, ça, c'est la métallurgie moderne. Maintenant, on utilise d'autres procédés que le coke, notamment les hydrocarbures. Mais enfin, à l'époque, la métallurgie fonctionnait avec le charbon de bois. Il fallait donc des régions boisées pour faire le charbon de bois. Mais l'Ardenne est une zone boisée. Il fallait donc, pour faire fonctionner les marteaux, les gros marteaux, les forges, il fallait il fallait des cours d'eau rapides pour faire fonctionner les roues qui faisaient fonctionner les marteaux, les gros marteaux. Donc, or, l'Ardenne était l'endroit idéal parce qu'il y avait des forêts pour le charbon de bois et des cours d'eau rapides pour faire fonctionner les forges, les marteaux. Bon. Donc la métallurgie, à l'ancienne, était très, très, très performante dans la région d'Ardenne, notamment la région de Durbuy, de Liège, la région de Lourdes, etc. Donc Louis de Gers va recruter des métallurgistes à l'ancienne, forcément, hein, des gens qui s'occupaient de faire le charbon de bois, des gens qui s'occupaient de faire fonctionner les forges, etc., dans les régions de la Wallonie boisée. Et il va les recruter plusieurs milliers, hein, qu'il va envoyer en Suède, ce qui posait problème, parce que la Suède était une région luthérienne. Nous étions ici sous la domination espagnole, qui réprimait les réformés et les luthériens. C'était donc des gens qui passaient à l'ennemi. Et il y a eu des placards, des lois des rois d'Espagne, puisque nous dépendions ici de l'Espagne, des rois d'Espagne, qui interdisaient aux gens, il fallait des métallurgistes, il fallait des forgerons, il fallait des gens, des hommes des bois, des forgerons, des bûcherons,
il fallait des convoyeurs, des gens qui charriaient les bois, donc il fallait trois sortes de métiers, plus des métiers plus particuliers. Il fallait aussi des enseignants pour aller enseigner, bon, enfin, il fallait un petit peu de tout. Et il y eut des placards des rois d'Espagne contre cette immigration de gens de Wallonie vers la Suède. Mais rien n'y a fait, et Louis de Gers est arrivé à créer, et il y a actuellement des sites qu'on a visités avec Luc Courtois, des sites énormes, enfin énormes, pas énormes par c'est pas le grand site météorologique Natan, mais on retrouve les forges, on retrouve encore toutes ces choses qui... Et précisément à côté, à quelques kilomètres, de l'industrie météorologique suédoise actuelle, hein, c'est vraiment la continuation. Au point que le mot wallon en Suède, dans sa région, était bien porté. Le wallon n'était pas, à l'époque, comme on a voulu le faire croire après, le fainéant qui vit du chômage. Le mot wallon en Suède, c'était une sorte d'aristocratie du travail. C'était des gens bien... Pourquoi ? Parce que c'était des gens dynamiques qui venaient faire fonctionner les forges. Et le soir, le samedi soir, quand ils avaient fini de travailler, ben, tous ces gens-là se décrassaient d'avoir été travailler. Ils s'habillaient bien, ils allaient au village voisin faire danser les filles. C'était des gens dynamiques, c'était des gens qui avaient une réputation de personnes dynamiques qui savaient y faire, quoi, hein. Et Louis de Gers avait fait construire un château impressionnant, dans lequel j'ai eu le plaisir de dormir avec quelques autres, lorsque nous avions fait notre virée de voyage. C'était vraiment un petit Versailles, quoi, hein, et qui était construit de l'autre côté de la rivière, parce qu'il y avait la rivière pour faire tourner ce qu'on appelait les macas. Et alors, il y avait les maisons des Wallons métallurgistes qui étaient là. Il y avait tout. C'était vraiment un projet complet. Il y avait plusieurs villages. Il y avait le Sta, il y avait c'est leur force. Il y avait on les a visités pratiquement tous. Et alors il y avait les maisons où les gens dormaient, donc les maisons où ils avaient avec leur famille, parce qu'ils fondaient des familles là-bas avec des Suédoises. Il y avait l'endroit où le pasteur avait son église, parce que ces gens avaient été devenus finalement, de calvinistes qu'ils étaient, étaient devenus luthériens. Il y avait un pasteur suédois qui venait, il y avait une école pour les enfants, c'est un projet complet. C'était vraiment l'intégration dans les villages. Et nous avions visité tout cela, et nous avons fait un bouquin sur les Wallons de Suède. Mais je vais en rester là, parce que je pourrais en parler pendant des heures.